On va aller explorer un petit peu. On va descendre tranquillement. On va essayer de pas mourir. What? Mais il y a une caverne ici. Voilà, pour descendre. C'est le seul moyen. Là maintenant. Non! Ce qui vient de se passer est incroyable! Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo Minecraft, un chunk va apparaître toutes les 30 secondes. Alors comme vous le voyez, on commence sur une map avec un seul chunk et au fur et à mesure cette map va s'agrandir incroyablement avec des chunks qui vont venir s'ajouter. Normalement il est censé y en avoir un dans pas longtemps, on va regarder ce que ça donne. Ah c'est là. Et donc on va pouvoir explorer le monde comme ça au fur et à mesure et aller possiblement jusqu'à l'Ender Dragon si on arrive à trouver de quoi aller dans le Stronghold. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, c'est parti. Un petit starter bouffe, donc ça fait plaisir d'avoir des cavernes. Ah oui d'accord, il y a notre chunk qui est apparu là-bas, mais il y a du fer et tout. Let's go, c'est parti. Donc on va prendre un petit peu de bois et on va essayer bien sûr de pas mourir. Ah, le plus important là c'est de pas tomber et de voir comment on peut aller jusqu'à la fin du jeu d'une manière totalement différente où on est limité par les chunks. C'est pas un défi cheat hein, ça, c'est compliqué hein. Ah ouais d'accord, ça apparaît là-bas. On va essayer d'aller sur le chunk d'à côté. Oh, il y a de la neige en plus, c'est l'hiver. Bonjour. Ah mais là c'est pas mal, là il y a une petite grotte et tout. Il y a de la stone, il y a de la terre, il y a du bois, il y a un bouton s'abonner. D'ailleurs abonnez-vous. Là, il y a un océan. L'océan, normalement, je crois que c'est quasiment le truc qu'on retrouve le plus dans un monde Minecraft. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok, on a encore un océan d'ailleurs. Regardez-moi ça, mais c'est honteux. Nous voulons d'autres choses. Par contre, l'End et le Nether ne sont pas, eux, modifiés. Donc, on verra bien comment ça va se passer. De toute façon, notre but, c'est d'aller jusqu'à la fin du jeu, comme à chaque fois. Il y en a un nouveau. Oh, what the fuck. Comment on va là-haut, nous? Hein, c'est incroyable. Bah ouais, nous sommes en 1.18. Donc, bah là, c'est un chunk, on va dire, d'une taille à peu près normale. On est en couche 72. Et ça, c'est un chunk qui a été pris dans une montagne, en fait. Mais c'est incroyable. C'est beau, c'est magnifique. Y a que ça, nous. Très bien. Non mais ce chunk me fait délire hein. On va aller le voir. On va essayer de pas tomber hein. Ce serait dommage. On fait gaffe. Ah c'est serré. Ah ouais mais jamais on peut monter là. Il faudra un nombre de blocs incalculable. Il a l'air d'avoir pas grand chose de très intéressant. Alors, on va retourner de l'autre côté. Peut-être on peut accéder à des grottes depuis là. Attendez, je vais prendre des blocs. On va descendre tranquillement. On va essayer d'aller chercher ce fer qui est juste là. Ah ouais. En vrai les trucs océans sont pas très inutiles. On va faire ça tranquillement mais sûrement. Là on peut récupérer du fer non? Bah oui voilà, impeccable. Tellement fort en fait. Non. Ok. J'aimerais bien aller voir par ici là. Qu'est-ce qui se passe par là? Rien, c'est de la merde. Oh, il y a un mineshaft là. Attendez. Il y a des mobs. Il y a des mobs. Super. On va se faire une petite épée pour récupérer des fils parce que bah si on veut aller buter l'Ender Dragon après, il nous faut des fils. Un arc surtout parce que bon, tu as un Ender Dragon avec des fils. Je pense que si je fais ça, je lui fais pas beaucoup de dégâts. Là, il y a l'air d'avoir encore une grotte ici. Hein. On va descendre. Ah, c'est une grotte aquatique. C'est vraiment un plaisir. Comment je remonte moi tout là-haut? Parce que c'est bien mignon tout ça, mais remonter c'est pas facile. De toute façon, on commence à faire un bon petit stock de fer. Ça fait plaisir. Bon, on va pouvoir se stuff un minimum. Ah mais là, attendez. What? Mais il y a une caverne ici. Il y a un joueur. Ah non mais ok. Parez-vous. Non mais ils sont 500 milliards. Hein. Ok, il y a une partie du mineshaft qui est ici. Là il y a du charbon. Prenons le charbon. On va avoir besoin de faire des torches. En vrai, il y a pas grand-chose. Hein. C'était un tout petit mineshaft. En même temps, c'est normal. Il est que sur un chunk. Et là, on a de quoi faire un full fer bientôt. On peut continuer de remonter. Alors, est-ce qu'il y a eu des nouveaux chunks un petit peu dingueries là qui ont été ajoutés? Oh là, il y a de la glace là. Let's go. Il y a un trou au centre. Ouais, faut faire gaffe. Qu'est-ce qui a été ajouté? Oh, regardez-moi ça, c'est trop mignon. C'est trop beau. Faisons un petit furnace. On va se faire un petit peu du stuff en fer. Oh mais regardez-moi ça, il y a une caverne. Oh regardez, what? Un Mesa. Oh, des morceaux de monde assez incroyables quand même, au fur et à mesure de cette vidéo. Bon c'est bon, c'est cuit là en bas ou pas? Ah voilà. Est-ce qu'on n'arriverait pas à trouver, voilà, je sais pas, du diamant, des choses comme ça. Hein. Alors la nuit est en train de tomber d'ailleurs. Donc il va falloir faire quand même un petit peu gaffe. Oh là, il y a un morceau de mineshaft encore, non? Ah oui. Des coffres. Il n'y a pas de coffre. Tant pis. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, un vieux morceau de caverne. Hein. Il faut jouer avec l'eau, hein, parce qu'on n'a pas trop le choix. On va descendre tranquillement. On va essayer de pas mourir. Ah mais là, il y a de la lave. Ah là, si on veut aller dans le Nether, c'est parfait ça. On va avoir de la chance de trouver du diamant. Bon là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais pas miner pendant 50 ans. On sait en tout cas qu'ici, on avait un lac de lave. Ouais, des bambous là-bas. Il y a des bambous. Qui veut lui? Va-t'en. Meurs. Adieu le zombie. Bon, les petits bambous. On se fait des scaffolding. Ah non, on n'a pas assez pour faire des scaffolding, mais pourquoi pas. Là, il y a l'air vraiment d'avoir des cavernes hein, dans ce coin-là. Et là, il y a l'air d'avoir un morceau de caverne incroyable. Voilà. Ne pas tomber, c'est important. Ah, il y a un petit peu de fer quand même. On n'est pas descendu pour rien. Oui, il y a plus qu'un petit peu de fer, oui. Regardez-moi ce filon incroyable. Je vois pas de diamant pour l'instant. Ça a l'air d'être rare, hein, quand même. Malgré qu'on ait des cavernes énormes. Il est où le diamant, ce bordel? Par contre, la grande question, c'est comment je remonte. Ah, mais attendez, mais what? Il y a du diamant vraiment là? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il y a vraiment du diamant là et je l'ai pas vu. Est-ce qu'au montage, on a vu que j'ai vu le diamant ou pas? Je sais pas, mais le monteur vous aura montré. Non, mais s'il vous plaît, monsieur, franchement, c'est honteux. Venez. Oh, s'il drop un trident, franchement, trop fort. Hein. On va aller le chercher. Bonjour, monsieur. C'est là où il y a un chunk qui apparaît ici, quoi. Ce serait terrible. Hop, meurt. T'as pas droppé. Dommage. Ah, il est où le diamant, du coup? Ah, ne pas
pas tombé. Il y en a que deux. C'est fou. Hein. Ça va. Il y en a un peu plus que deux. Oh, mais là, la caverne est pas mal là-bas en face. On remonte ici. Oh, quelle merde. Quel bordel. Oh, je me casse. Vous avez vu ça? Le creeper, ça va être terrible, ça, non? Attends. Ça m'a fait trop peur. Il y a encore un creeper. Quelle galère. Il y a tellement de mobs là-bas. Oh, mais attendez, la petite caverne sous-marine. Non, je prends et oh, j'ai mal. Oh, il y a encore des chunks montagnes hein, qui viennent d'apparaître. On va aller explorer un petit peu. Ah, ce serait pas du diamant, ça, par hasard. On va descendre là. Let's go. J'ai peur de rien. Jusqu'à ce que je faille là. Oh, regardez là. Oh, c'est tellement stylé. Il va y en avoir qu'un. On a fait tout ça pour un diamant. Hein, et c'est tout. Super. Ok, donc c'est où qu'on avait vu du diamant là qui venait d'apparaître? On va essayer quand même d'aller le chercher. On va pas laisser ça là. Voilà. Oui, je peux faire la pioche. Impeccable. Bon, allons explorer un petit peu de l'autre côté. Bon, on a bien fait. Le diamant. Il n'y en a que deux. Le diamant est radin en 1.18. C'est incroyable. Bon, allez, essayons de remonter un petit peu quand même. Non, il va falloir trouver un lac de lave. Je pense qu'on va pouvoir commencer à aller dans le Nether. Oh, une vache. On n'a pas vu de vache depuis le début. Salut Janine. Ça fait du bien de voir des animaux. On continue. Oh, là, il y a une caverne en bas. J'ai bien envie d'aller voir. Elle a l'air bien sympa. On va récupérer de l'eau comme ça, mais au moins, ça nous fait un petit ascenseur pour descendre. Ah, oh, par contre, ouais, ça descend doucement. On va y aller calmement. Voilà. Oh, il y a du mineshaft et tout. Nous, ce qu'on veut, par contre, c'est un lac de lave. Là, je vois qu'il y a une petite source ici. Faisons ça. Bah, commençons à récolter de l'obsidienne parce que c'est ce qu'il va nous falloir pour aller dans le Nether. Et que ça va pas être facile parce qu'on va trouver morceau par morceau, quoi. Hop là. Voilà. Petit peu de diamant en plus. En vrai, on commence à se faire un bon stuff. On en a combien? 6. En vrai, je vais garder pour faire un plastron. Ah, il y en a juste là. Et voilà, 3 petits diamants en plus. Comme ça, on se fait un beau plastron. Et ouais. Tu vas faire quoi maintenant? Ok, un petit morceau d'obsidienne en plus. Est-ce qu'il y a des choses encore en bas là? À part que je me crame le cul. Oh, oh, stonks. Hop là. Et là maintenant. Ce qui vient de se passer est incroyable. J'ai failli mourir en fait. J'ai voulu faire le malin. Vous savez ce qu'on dit hein, qui fait le malin tombe dans le ravin hein. Là j'étais pas loin de tomber dans le ravin. On était à ça de la mort. On est tellement bien stuff que j'ai pas envie de tout recommencer à zéro là. What? Du diamant là. Let's go. Vive le diamant. Quoi? C'est quoi cet enfer? Explose. Voilà. C'est ça qu'on veut. Tue tes potes. Cette caverne est incroyable. Il y a des sources de lave. Il y a du diamant. Là on est content. Ok, ça a l'air d'être un lac qui s'est fait un petit peu cut. On va miner tout ça. Bah normalement on aura tout ce qu'il faut ouais. Et on va pouvoir remonter à la surface pour se faire notre petit portail. Oh, ça va vous? Ah mais ça c'est parfait. Il y avait un truc entier d'obsidienne hein. Tout va bien. De toute façon on a de quoi faire le portail en haut. Maintenant qu'on l'a farmé, on va faire ça tranquillement. On va être full D hein. On va être full D. On va remonter par là. Ah ouais, un truc que j'ai pas pensé. Le gravier. Là il y a du gravier là. Dans l'eau, il y a toujours du gravier. Avec ces deux morceaux, on va essayer de faire un flint. Bah voilà. Merci. Et ben, petit portail du Nether. Hop là. Let's go. Ah, on va aller dans un monde normal. À peu près normal. Ah, super. Vraiment. Le meilleur spawn du monde. On aura tout vu ici. Alors là, pour descendre, faut trouver un chemin. Et ben, c'est parti. Allez. Ah, il y a une forteresse. Mais pour descendre, c'est l'enfer. Hein. Je vais parcourir la terre entière juste comme ça, quoi. Tu sais, j'ai rien pour MLG dans le Nether. Je suis vraiment dans le toit du Nether. Hein. Je sais comment je vais descendre. Dans les Warpeds, il y a les lianes. Et en fait, il faut tomber sur une liane, tout simplement. Alors, ok. Là, il y a une liane. On va essayer de tomber dessus. C'est le seul moyen. Elle est où? Elle est là. Je pense qu'on peut dessus. Ok, nickel. Alors, c'est qui le patron maintenant? Pas peur, moi. Bon, bah, allons buter quelques blazes, hein, comme d'habitude. Hein, on change pas une équipe qui gagne. Bon, on a eu un spawn merdique. Super. Merci, le blaze. Vous pouvez me laisser rentrer dans la forteresse, quand même. Et après, on se bat. Ça vous va ou pas? Voilà. Bonjour. Il y a tellement de blaze, par contre. Enchanté. Moi, c'est Magic Nup. On en a déjà 5 et vous allez voir, c'est suffisant pour ce concept parce qu'on va pouvoir faire un craft qui va nous permettre d'aller dans l'end différemment de d'habitude. On trouvera jamais un chunk où il y aura un portail entier. Donc là, il va nous falloir normalement 8 underperles. On va avoir sur les petits Endermen dans les environs. Et après, on va retourner dans l'overworld pour faire notre petit portail. Où sont les Endermen là? Par contre, les mecs, venez, je vous veux aucun mal, hein, vraiment. Allez, donne. Voilà. Et de une. Allez, let's go, une de plus. Allez, hop, on est à 8. Ah bah c'est bon, on va pouvoir faire nos Eye of Ender. Et après, on pourra faire le craft custom dans l'overworld. On rentre, hein. C'est pas à côté. Ah, espérons par contre qu'il n'y ait pas un blaze qui me tire dessus. Hein. On reste à côté de l'Adgan, au pire, comme ça, on se rattrape dessus. C'est ici, on retourne à la maison. Bon, on va faire notre craft custom pour aller dans l'end. Du coup, on fait ça avec le petit diamant qui nous reste. Et là, ça nous donne le portail. Let's go. Ah bah ouais, on a le portail directement. Ça, c'est très pratique. Hein. On va mettre ça dans chaque vidéo. On n'aurait pas besoin de trouver le Stromgold. Et bah du coup, on a tout ce qu'il faut, faudrait que je me fasse un arc. J'ai quelques flèches quand même. C'est parfait. Au revoir, monde tout à fait. C'est incroyable en vrai. Tous ces chunks un petit peu qui viennent se regrouper. C'est quand même très beau. Mais nous, on doit aller se combattre un Ender Dragon. Donc désolé, monde incroyable. On y va. Ça a l'air d'être en entier ici hein, aussi. Faisons-nous les petits tours. Et on va vite avant qu'il essaye de nous taper. Il n'y a plus que celles qui sont un peu reloues là. Ah! Wouhou! C'est pas passé loin. Au secours! Encore faire un MLG. Ok, mais dans le vide, on peut pas faire grand chose. Hein. Ok, ici c'est bon. Et la dernière. Et il nous reste 9 flèches. Et on va toutes les mettre dans le dragon. 2-2. Viens ici, toi. Allez.
meurs. Ok, impeccable. Allez, let's go. Cette fois-ci, c'est la bonne. Let's go. Adieu, le dragon. Ah ben voilà, impeccable. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je me casse. Adieu. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Le monde est quand même super beau, hein. Regardez, on va se balader un petit peu. Ouais, ça donne vraiment un aspect très différent à Minecraft et j'aime beaucoup, en fait. Surtout avec la 1.18, le fait qu'on ait ces cavités qui se créent à chaque fois. Et même ça, regardez, ça, c'est incroyable. Ça rend vraiment quelque chose de très graphique et de très intéressant. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et de lâcher un maximum de pouces bleus. Vous le savez, ça soutient, donc je compte sur vous. Et nous, donc, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.